Eh bien, j'ai l'impression qu'une tempête se lève. Regardez dehors. Et salut à tous, c'est Magikarp. On se retrouve aujourd'hui pour notre aventure du jeu Edith Finch. Donc précédemment, nous avons vu les aventures de Lewis, de Gus et de Grégory. Et Lewis, c'était l'aventure avec le poisson. Et je voulais m'excuser pour l'épisode précédent. Le son de ma voix n'était pas assez forte puisque j'ai un nouveau micro et j'avais pas fait les tests préalablement, donc c'était vraiment pas terrible. J'en suis désolé, j'espère que ça n'a pas gâché votre expérience. Enfin, c'était tellement prenant que finalement, il n'y avait pas besoin de commenter. Bon, maintenant, on va continuer l'aventure et sans doute la fin aujourd'hui. Et j'en suis même persuadé. Alors, voyons voir ce qui va se passer en haut. On the En way tout back cas, from Lewis's c'est magnifique. funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. But I understand why we left. Je me rappelle, j'avais fait un tweet quand j'avais joué au jeu précédemment, on pouvait marcher ici et ça faisait du bruit. Ça, c'était bien fait. My mom ended up leaving everything behind. What happened that night had been coming for a long time. Eh bien, qu'est-ce qui se préparait? Raconte-nous, Edith. Maybe it should have come sooner. Oula, il y a eu un petit problème de caméra. But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. Je crois qu'Edith va nous raconter une histoire en direct. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last. I'm not leaving. Edith, you're excused. Vous avez vu qu'on voit pas forcément les animations des personnages. Je sais pas si c'est volontaire de la part des développeurs, parce que ça prend du temps, c'est compliqué à mettre en place, ou si c'est un choix de réalisation. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. Je pense que c'est un choix de réalisation et aussi évidemment When que c'est beaucoup plus rapide à I faire. Don't think she knew about the other entrance. Après. Quand je dis plus rapide, ça prend quand même du temps pour développer le jeu, quoi. Voyons voir la bibliothèque. On va peut-être lire des livres intéressants. Et pour faire un rapprochement avec Plague Tale, finalement, le jeu qui est éclairé aux bougies et tout, on se retrouve dans une bibliothèque. Bon, je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas fait Plague Tale, mais en tout cas, à un moment, on doit trouver un livre dans une bibliothèque. Voilà. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. Bien dit donc. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay. Histoire des Finch. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but they're
only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. Et ouais, il y a un mystère autour de la maison échouée. I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. I got turned around. On dirait un gogo qui a fait une attaque épurée de poids, quoi. Ah, est-ce que ça serait le même cerf que l'on a vu au début du jeu? Je ne sais pas. Mais sûrement, pour les animations en tout cas. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it, let go! I kicked and screamed, but... Mom dragged me to the car. I never saw Great-Grandma Edie again. The next morning, the band came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. C'est nous qui pouvons contrôler le bras d'Edith. A few years went by. Qui virevolte. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while. And then she didn't. And then I was alone. Last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. Thank you.
This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Et bien voilà, l'aventure est terminée. C'est hyper émouvant, la fin, je me rappelais plus du tout que c'était comme ça. Et franchement, je sais pas trop quoi dire. On va profiter du générique de fin qui est hyper bien fait, avec les gens qui ont contribué au jeu, et est-ce que ça annonce éventuellement une suite? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, c'est vrai que le jeu vidéo nous procure des émotions, c'est pour ça que je voulais vous le faire, et c'est le cas pour celui-là, et il suffit pas forcément d'avoir beaucoup de budget de développement, beaucoup de budget de marketing, pour finalement faire des très bons titres. Et celui-là en fait partie, et je suis heureux de l'avoir fait avec vous. Bon, c'est vrai que le dernier épisode ne va pas durer trop longtemps, sauf avec le générique de fin qui va un peu artificiellement augmenter la durée, mais elle est tellement, tellement bien que j'ai envie de vous la laisser, quoi. Ils ont pris le temps de le faire, donc de faire un truc joli, et j'ai envie de vous le proposer. Alors j'aimerais savoir un petit peu, vous, votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Edith est morte pendant la naissance de l'enfant? Qui est le père aussi? Ça, toutes les questions que j'ai envie de savoir, enfin, qui sont peut-être pas dévoilées ou que j'ai pas forcément comprises. Des choses un peu mystiques aussi sont passées autour de la maison. On sait pas ce qui s'est passé à la fin, avec la maison échouée, qu'est-ce qu'il y a, quel est le secret? C'est vrai qu'on voulait vraiment tout savoir, et finalement il y a un cliffhanger quand... Tiens, j'ai obtenu un trophée. Quand finalement, la mère est venue rechercher le livre pour pas que Edith puisse le lire. Pourquoi la maison était, je vais pas dire hantée, mais aussi mystique, qui fait que les gens aient envie de mourir, enfin envie. On peut pas parler vraiment d'une envie, mais que finalement les gens soient morts. Est-ce que il y a une malédiction autour de cette maison? C'est vrai qu'il y a plein de questions qui restent, et malgré le fait que j'ai fait le jeu une deuxième fois, j'ai toujours pas compris certaines choses, donc c'est peut-être le but voulu, c'est peut-être de laisser place à l'imagination des joueurs, de faire leurs propres suppositions, pour en parler aussi bien comme moi je le fais sur YouTube, mais aussi bien sur les réseaux sociaux, sur d'éventuels forums. Il y a plein de questions, en tout cas c'est un jeu vraiment poétique, j'espère que vous avez apprécié le faire en ma compagnie. En tout cas, c'est hyper émouvant. Et j'ai hâte vraiment de voir finalement la suite des aventures de ce studio, Annapurna. Voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec peut-être plus de budget, si un éditeur décide de les accompagner parce qu'ils sont auto-édités, ou un micro-éditeur, je sais plus exactement. Mais c'est quelque chose de fou qu'ils ont réussi à faire. Et on voit aussi au niveau des décors quelques éléments que l'on a pu voir pendant le jeu. Notamment la boîte à musique à gauche, par exemple. Je suis sûr que ils ont mis la bouffe chinoise, puisqu'ils devaient bouffer beaucoup chinois dans le studio. Enfin, c'est juste une supposition, mais... Ouais, ils ont mis 5 ans à développer le jeu, comme quoi je disais tout à l'heure qu'ils ont peut-être fait des choix de réalisation pour que ça soit un peu moins long, mais le jeu a quand même pris 5 ans à développer. Alors, est-ce que c'est 5 ans à partir de 2012 pour les idées, ou c'est vraiment le début du développement? Ça, je ne le sais pas. En tout cas, il y a une option rejouer pour refaire certaines aventures, si on a envie de rejouer
Par exemple, ce qui s'est passé avec Walter quand il s'est fait tuer par le cerf, ou Grégory dans la salle de bain. En tout cas, nous, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié vraiment cette aventure en ma compagnie. Et dites-moi, vous, ce que vous en avez pensé au niveau de la compréhension. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Et éventuellement, si vous pensez qu'il peut y avoir une suite. Allez, ciao tout le monde.